I've decided to begin my journey in a very mythical place. None other than the Molitor. One of the hotels most adored by Parisians. And I get the feeling we're not going to be short of surprises. Aujourd'hui, les voyageurs, dans leur grande majorité, recherchent, même dans l'hôtel, finalement une expérience locale. Ils n'ont pas envie de se retrouver juste entre eux. Ils veulent de l'authenticité, ils veulent de la vie. And that is crazy. The Rolls Royce in the lobby. Covered in graffiti? Absolutely. It does represent the second life of Molitor, when Molitor has been totally abandoned, and it was a repair of graffers. They were coming to do rave party in the empty pools in the past. Okay. Aujourd'hui, l'hôtellerie s'est transformée. On est passé d'une hôtellerie très standardisée qui rassurait nos clients, mais aujourd'hui, ces clients ont grandi et veulent aussi quelque chose qui soit vraiment atypique, unique. Je dirais qu'il y a un gros travail de réinvention en fait, de l'hôtellerie à l'intérieur même des immeubles existants, avec la précaution de ne pas détruire cette authenticité qu'on recherche tant. C'est magnifique l'endroit. On avait une piscine abandonnée. Tout à fait. Et quelqu'un a eu une vision magnifique de dire, voilà, on va faire quelque chose de plus grand, magnifique. Donc, c'est pas qu'une piscine maintenant. Tout à fait. C'est plus que ça, puisqu'on a une partie hôtel avec un hôtel 5 étoiles. Mmh. On a une brasserie. Mmh. On a un rooftop, un restaurant saisonnier rooftop. Et aujourd'hui, on parle de Molitor en disant pool art life. Et donc, dans l'art, au sens large, la musique en est un, le street art, qui est présent en éteint pour montrer que Molitor n'est pas qu'une piscine. À la fois lieu de vie, lieu d'accueil, lieu de culture, je crois beaucoup en fait à cette période un peu hybride. Des lieux plus poreux qui aussi profitent aux riverains, aux parisiens et qui mettent de l'ambiance, amènent cette authenticité que recherchent les touristes. From up here, I can really see how this unique place has managed to adapt to the times, responding with panache to the ever-changing needs of travelers, but also locals. Hats off to you, Molitor.